bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment on fait aujourd'hui? On apprend à conjuguer un verbe à l'imparfait du subjonctif. Alors, pour former l'imparfait du subjonctif, on va partir de la base du passé simple, donc déterminaison soit en AI, IS, US, INS, et on va ajouter la terminaison de l'imparfait du subjonctif. Par exemple, pour le verbe prendre, la base c'est pris, PRIS, ça donnera que je prisse. Le premier groupe, ce sont toujours les mêmes terminaisons évidemment. On va prendre un exemple avec tomber. Ça nous donne que je tombasse, que tu tombasses, qu'il tomba, avec un accent circonflexe sur le A, que nous tombassions, que vous tombassiez, qu'il tombasse. Un exemple pour le deuxième groupe avec le verbe grandir, que je grandisse, que tu grandisses, qu'il grandit, avec un accent circonflexe sur le I, que nous grandissions, que vous grandissiez, qu'il grandisse. Pour le troisième groupe, on va voir plusieurs possibilités. Déterminaison en IS, comme pour dire que je dis, que tu dis, qu'il dit, accent circonflexe sur le I, que nous disions, que vous disiez, qu'il dise. Déterminaison en US, avec le verbe croire, que je crusse, que tu crusses, qu'il crut, avec un accent circonflexe sur le U, que nous crussions, que vous crussiez, qu'il crusse. Ou bien, pour les verbes tenir et venir et les verbes de leur famille, déterminaison en INS. Que je tince, que tu tinces, qu'il tint, avec un accent circonflexe sur lui, que nous tinçons, que vous tincez, qu'il tince. On va voir ensemble quelques verbes fréquents du troisième groupe. Avoir que j'eusse, faire que je fisse, vouloir que je voulusse, voir que je fisse, pouvoir que je pusse, devoir que je dusse, être que je fusse, dire que je disse, aller que j'allasse, savoir que je susse, prendre que je prisse, mettre que je misse. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser une question pour une nouvelle vidéo et à bientôt sur Comment faire.